Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo après quelques lives passés cette semaine. Des lives qui n'ont pas été très très encourageants vu que je suis mort à chaque fois. Donc j'ai relancé une nouvelle partie sous la version 1.21.3. Parce qu'on a eu l'agréable surprise de voir un dernier bug dans la version 1.21.2. Le bug c'était que les poissons, et en l'occurrence les saumons, avait des mauvaises tailles, semble-t-il. Donc voilà, donc ça c'est réglé avec d'autres petits soucis. Alors moi, bah écoutez, j'ai relancé une partie avec les expérimentations tout activées et j'espère découvrir ce jardin pâle un de ces quatre. En attendant, j'ai découvert ce petit village que j'ai fait évoluer et comme vous pouvez le voir, je suis staffé en fer entier. Pas trop mal, hein, niveau 41, mais pour l'instant, pas trouvé un seul diamant. Donc ça va être un petit peu l'objectif de cette vidéo. J'ai une mine par là-bas que je suis en train de finir d'explorer. Vous voyez que là et là, j'ai des forges. J'ai transporté une forge par là-bas, parce que j'ai de la lave. Un petit coin pour l'élevage. De ce côté-ci, avec tout ce qui va me servir pour le cuir et la viande. Et puis là-bas, les poulets, pour gagner de l'expérience rapidement. La production de canne à sucre, qui fonctionne bien. Et dans ce village, bah, j'ai la chance d'avoir deux bibliothécaires. Donc, c'est pas mal. Deux temples aussi. Bon, potentiellement, c'est pas grave non plus. Pas très utile, mais pour l'instant, on sait jamais. J'aurais peut-être besoin de faire des potions, un de ces quatre. J'ai créé, comme à mon habitude, un super dortoir. Voilà. Donc, tout le monde dort ici, ou presque. Ça, c'est la maison du pêcheur, donc il n'y a rien dedans. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai fait grimper tout le monde. Mon objectif, ça va être de récupérer, donc là, maintenant... attendez, partez pas. Une chambre des épreuves, enfin, une carte des chambres des épreuves. Non, bah ça y est, ils partent tous coucher, là. C'est déjà la nuit. Alors... Je peux le choper lui et lui demander une carte. Voilà, c'est fait. J'en ai une, pas la peine d'en demander une deuxième à lui. Par ici, ça évolue comment? Pas mal. Je vais pas le faire évoluer tout de suite parce que pour l'instant, frappe, ça m'intéresse pas pour mon arc. Je pense que je pourrais enchanter un arc beaucoup plus facilement. L'armurier, bah, j'ai pas réussi pour l'instant à le faire évoluer énormément. Lui encore moins, ouais voilà c'est ça. En fait comme non c'est pas toi. Non toi par contre oui, alors lui je sais pas comment il a fait. Voilà, comme ici mon forgeron m'a donné assez rapidement des armes. Ah j'ai pas pris celle-là. Efficacité 2. Bah oui en fait je l'ai pas prise parce que voilà je comprends. Parce qu'en fait j'ai ici des haches qui sont pour l'instant suffisantes pour mon usage. Bah écoutez, on va dormir là, on va laisser passer la nuit et on va descendre dans la mine. Non, on va commencer par regarder cette carte qui va nous dire... Ah zut, qu'on est très loin. Très très loin. De la chambre des épreuves la plus proche. Et bah malheureusement... ça me donne rien si je vais par là. Est-ce que ça pourrait être ça? Parce que là, je pense que je passe. Je n'ose faire une petite exploration, mais je pense que c'est quand même ce que je vais faire. Juste pour voir si je me dirige dans le bon sens. Alors, pour cela, beaucoup de chance. Parce que j'ai trouvé une carte au trésor, et dans ce trésor, donc une carte au trésor, le trésor était juste là. Le bateau, il est derrière, là-bas. Et... Dans ce trésor, j'ai trouvé une selle. Donc ce qui fait que bah, j'ai pu m'équiper. Et pour l'instant, je n'ai pas été faire beaucoup d'exploration avec ce cheval. Donc on va en profiter dès maintenant. C'est parti.
Bon, eh bien, j'arrive au bout de la terre connue de ce côté-ci, et donc c'est pas ça. Donc il va falloir partir dans l'autre sens certainement. Et là, potentiellement, j'ai rien repéré d'intéressant. Si ce n'est, donc on l'a vu là-bas, une sorte de jungle. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire une expédition pour récupérer du bambou qui permettra par la suite de faire des échafaudages. Allez, comme à mon habitude, je me débarrasse de tout ça. Donc dans un premier temps, c'est assez fastidieux parce que c'est, ça a potentiellement aucun intérêt. Mais plus tard, vous verrez quand il y a beaucoup... Ah, ça pousse quand même. Quand il y a beaucoup de poulets, c'est une machine à faire de l'expérience. Quand on les tue, bien entendu. Bon, alors, pour l'instant, ça, on laisse de côté. Oui, encore, c'est ça que j'ai ramassé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon exploration ou pas? C'est la grande question. Ça, on va aller le remettre à sa place. Non, pour l'instant, je vais pas faire l'exploration de ça. Je vais quand même essayer d'aller chercher du diamant. J'ai plus beaucoup à manger, mais bon, j'ai de la pomme de terre. Allez, on fait une petite descente. Il faut aussi que je pense à faire évoluer cela, mais alors trouver de l'argile là, c'est pas évident. Alors ici il y avait cette zone qui était très intéressante, mais je crois que j'ai fait le tour, ouais. Sauf s'il y a quelque chose par là, ouais non, il n'y a que de l'eau. Potentiellement cette mine est submergée, donc pas très intéressante pour ça. On est obligé de se protéger avec des rochers tout autour. Pour éviter de prendre trop d'eau. Ah, il y aurait du monde par là. Ouais. Oh mais je prends hein, moi de toute façon. Ben voilà, superbe. Oh bah génial. Allez, mes premiers diamants. Hop, et bah ils sont généreux. Allez, est-ce qu'il y a encore de la générosité autour? N'en demandons pas trop quand même. Donc mes pelles n'ont pas efficacité mais solidité. Et c'est valable aussi pour la pelle en diamant. Non. On s'arrêtera là pour les cadeaux. Bon allez, non, on s'arrête pas, on va finir là. Pourquoi je fais ça? Bah tout simplement parce que des fois il y a... Ah bah voilà. D'autres minerais qui sont cachés derrière. Voilà. Derrière les rideaux, ce que j'appelle les rideaux de gravier.
Et ça vaut le coup de prendre le temps, quand on a l'équipement nécessaire, non, pour aller creuser un petit peu. Et ben donc mes 5 diamants, c'est cool. Je vais pouvoir faire ma table d'enchantement là, moi. Oui. Alors c'était ici alors. Cuivre, ouais, non, pas trop. C'est pas là. Non, on l'entend plus. Là, on l'entend bien. Ah bah je suis déjà descendu ici. Je suis déjà descendu et comme vous pouvez le voir, je suis déjà remonté. Bon, potentiellement c'est pas intéressant. Quand même juste, bah, voilà, il suffit de le dire pour que il y ait un intérêt. Il est où d'après vous? En haut ou en bas? Il est pas en haut. Donc potentiellement, il est en bas. Ouais, là je m'éloigne de lui, donc il est potentiellement plus en bas. Mais là moi ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher un petit peu de charbon. Pour récupérer bien sûr de l'expérience, mais aussi bah, le composant, hein, le charbon lui-même. Et voilà, il est là. Allez, vas-y, grimpe. Voilà. Alors, un autre. Il faut juste que je fasse gaffe. J'ai. Ok. Bon, ça va. Non, j'ai juste un bouclier qui est en fin de vie là. Et donc, faudrait pas que je me retrouve nez à nez avec une horde de squelettes. Allez, on va s'amuser un peu.
là potentiellement j'ai détruit son casque. Et pourtant, c'est ce qui drop un casque qui doit être donc en mauvais état et que je vais faire fondre. Et je ne pense pas qu'il soit enchanté, donc je ne récupérerai pas plus d'expérience que ça. Alors, j'ai encore un peu de place. Et j'ai d'ailleurs de la place ici dans mon sac. Ah non, d'accord, ça passe pas. Le silex par contre, oui. La chair putréfiée, oui. Le diamant, on va pas le mettre dedans. Hein. Donc ici, c'est par là que je fais ma remontée. Ok, je vais la noter comme ça. Et on poursuit l'exploration par ici, qui va peut-être bientôt s'arrêter. Oui, mais j'ai vu un diamant là-haut. Alors, heureusement j'ai le chat, donc il va pas... Il l'a pas pris en compte, là. Ouais, très étonnant, là, comme réaction, lui. Ouais, bah le chat t'a pas fait ton taf, là. Alors, ce que j'aime pas dans les trucs comme ça, c'est que ça peut tomber sur la tronche par le haut. Tout ça pour un morceau de diamant, ouais. Voilà, un seul... Comment tu fais pour grimper le chat? Oui, tu vas me dire comme ça, tout simplement. Ah si, ça vaut peut-être un peu le coup là quand même. Allez, on grimpe. Et une petite musique douce qui nous accompagne. Et qui te laisse à penser que bah, t'es en sécurité quoi. Alors que peut-être pas. Donc toujours la même technique, hein. Je vérifie que derrière ce gravier... pas un truc intéressant. Et non, pas très intéressant. Et encore là. Bon, vous voyez, hein, c'est pas un truc à réussite à 100%. C'est d'ailleurs pas ce que j'avais signalé, mais voilà. Allez, on va prendre ça, et ça va se casser la gueule, mais c'est pas grave. Tant que le chat se fout pas en dessous. Et on fait le ménage. Je ne sais pas quel est ce bruit, et je ne veux pas savoir. Je descends un tout petit peu ici, mais c'est pas le genre de faille que j'aime explorer, parce que pour la remonter, c'est jamais facile. Il y a un joli trou, donc là-haut, potentiellement, il y a des choses qui peuvent descendre. Est-ce que
que j'ai encore de la place? Non. Donc il va falloir en faire avec, hop, le gravier. Bon. Ouais. J'allais dire que ça vaut pas le coup, mais si, en fait, ça vaut toujours le coup d'explorer. Mais c'est à cause de ce genre d'exploration que 1, on se perd, et 2, on tombe dans des traquenards. Tout ça pour un petit morceau de fer. Ouais, non, mais il faut arrêter là. Faut arrêter, puis en fait, je le fais pas, je m'arrête pas, donc. Alors, derrière ça, on a parfois des filons de fer. Et puis parfois non. Allez, on arrête. C'est pas le cas, il n'y en a pas. Puis si c'est le cas, bah tant pis. Il me reste encore un petit peu à manger. Il me reste plus que... Ah, par contre... Ah, ça y est, j'ai entendu des squelettes, donc on dégage. Ils sont où? Le chat, je sais que c'est par là qu'il faut remonter, et c'est ce qu'on va faire. Si tu veux bien me laisser passer. Ok. Voilà. Bon, bah, pas mal cette expédition. Hein, j'ai juste à partir d'un son de zombies réussi à aller chercher. Oui, j'en ai 8. 8 diamants. Je trouve que le résultat de cette expédition est pas si mal que ça. Et ça va donc me permettre d'avoir les éléments pour construire ma table d'enchantement. C'est pas mal du tout, et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous promets pas une vidéo tout de suite, mais on va essayer quand même de faire rapidement la suite. Avec potentiellement la recherche de la chambre d'enchantement, ça serait quand même pas mal. Mais aussi la recherche du jardin pâle, toujours, parce que c'est quand même un petit peu l'objectif, enfin la grande nouveauté, on va dire, de cette dernière snapshot. Et donc, hop, voilà, ici on lance ça, le casque en or, il va aller cramer. Voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite pour la suite de cette aventure. Salut.